Salut tout le monde, je m'appelle Steeler et bienvenue dans un épisode de Minecraft un peu spécial parce qu'il s'agit en fait d'un défi. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un sur ma chaîne et il y a des abonnés qui m'ont dit « Hey Steeler, tu pourrais peut-être essayer de construire quelque chose en jouant à Minecraft avec tes pieds ?» Et j'ai trouvé l'idée plutôt farfelue et intéressante. Donc, attention pour vous le prouver. Alors, je vais sortir mon téléphone avec lequel je vais commencer à filmer. Hein, attention. Merveilleux. Donc, pour vous prouver, regardez, on peut me voir ici. Allô! Excellent. Et attention, voici donc le setup. Alors, il y a mes pieds ici. Le clavier et évidemment la souris. Et je vais devoir uniquement contrôler avec mes pieds pour réaliser ce petit bâtiment que vous voyez ici. Donc j'ai mis tous les blocs nécessaires dans le coffre là. Et je suis évidemment en mode aventure. Donc je suis pas en mode créatif. Je vais vraiment devoir me démerder comme je peux. Et en fait, j'ai aucune idée comment je vais pouvoir faire. Parce que avec notre main, on a quand on choisit par exemple W, on peut appuyer sur espace avec... Mais là, je vais devoir utiliser mes deux pieds. C'est de la merde. OK. Donc, maintenant, c'est parti. Alors, je vais essayer de garder mes mains ici. Et là, je me suis fait un petit bouton. Ah! Oh my God! Pour... Ah! Hey! Oh non, c'est clic droit. Allez! Oui! Oh my God! Ce défi, c'est atroce, putain! Donc, comme vous pouvez le voir... Non! W, merci. Comme vous pouvez le voir, il y a la petite maison ici. Si on va à l'intérieur, il y a une bibliothèque, un lit pour dormir, un coffre, un fourneau et une petite cheminée ainsi que des fenêtres. Avec une allure d'un phare ancien, avec les couleurs rouge et blanc. OK, donc c'est parti. Si j'arrive à contrôler mon putain de personnage! OK, donc, on rouvre le coffre et je vais essayer de mettre tout dans mon inventaire. Donc, faut que j'appuie sur Shift. Voilà. Oh, ça va bien, ça va bien. On n'est pas habile avec les pieds parce que c'est pas quelque chose qu'on fait évidemment tous les jours. Hein? À moins que vous soyez handicapé, vous n'aviez plus de mains. Ben là, évidemment, vous allez utiliser vos pieds. Mais dans mon cas à moi, disons qu'ils sont assez limités à marcher. Hein? Donc, ils sont pas habiles pour la construction. Alors, OK. Cette fois-ci, je vais devoir rouler avec mon orteil jusqu'à... Allez. Ah! Non! Va-t'en! Ah! Voilà! Donc! OK. Alors, on va placer le premier bloc. Oh merde, c'est clic droit pour vrai! Ah! Voilà! Maintenant, on... Voilà, le prochain bloc. Allez, place-toi, putain. Fais chier. Ah! Excellent. Donc, on a deux blocs de placer. Ouais, j'ai déjà mal aux pieds, putain. C'est vraiment pas évident. Alors, maintenant, on vient se placer ici. Je vais devoir reculer parce que sinon le bloc ne va jamais se mettre en place. Voilà. Donc, attention, prochain bloc, s'il vous plaît. Non! Pourquoi t'as fait ça? Fais chier. C'est difficile de scroller avec son orteil. Excellent. Maintenant, j'ai mal aux orteils, putain. OK.
on se tasse un peu. Oui, oui, ça va bien. Je vais m'imiter à appuyer juste sur le bouton de droite. Place-toi, putain. Je suis pas en avant, t'es capable. J'ai mal aux pieds. Ok. Oh! Oh non, ça c'est chien. Ça c'est chien, 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 chien. Je dois péter le bloc. Voilà. Bon, maintenant, on se tasse. On doit reculer un peu. Voilà. Ah. Oui. Oui. Yes. Wow. On a la base de la maison faite. Maintenant, je dois creuser ici pour aller mettre le plancher. Voilà. Ah. Imaginez faire une journée complète de ça, par exemple, pour aller chercher des fonds pour, par exemple, je sais pas moi, les amputés de guerre. Et devoir jouer avec les pieds une journée entière. Et en même temps, ben, vu que c'est douloureux, avec les espèces de tortillements d'orteils qu'on fait, eh bien, ça permettrait aussi peut-être de refléter la douleur que ces gens subissent durant le... Ben, en fait, le fait qu'il manque des membres ou quoi que ce soit. Donc, je crois que ça pourrait être une bonne chose, sauf que j'ai pas ce qu'il faut, je crois, pour... Non! Pour faire des trucs de dons, en fait. J'aurais besoin peut-être d'un petit cours pour pouvoir éventuellement peut-être en faire, parce que je trouve que au niveau de la charité, c'est quand même assez intéressant de pouvoir aider des gens dans des bonnes causes, tout en s'amusant et en amusant aussi les autres gens. Ça peut valoir le coup. Donc, tout ça parce que je joue avec mes pieds avec Minecraft, putain de merde. Ah! Oh, c'est pas grave. Est à bonne place, est à bonne place. Oui! Oui! Oh merde, j'ai plus de place avec ma souris. D'accord, donc... Ah! Ouais! Et maintenant, on saute. Ah! Oui! Génial! Donc, le plancher est fait. Je crois que je vais en profiter pour débarrasser mon lit de mon inventaire. Donc, s'il vous plaît, mets-toi en position 2, merveilleux. Clique droit ici. Oui, je peux dormir juste la nuit, je le sais. Et d'ailleurs, je vais aller mettre le jour. Maintenant, on vient placer... Le fourneau. Place-toi, putain. Voilà. Ça va plutôt bien. Génial. Donc, maintenant, on recule. Et là, je vais devoir aller dans mon inventaire. Aller chercher... Un coffre. Voilà. On appuie sur Shift. Pour que ça tombe dans mon inventaire, merveilleux. Allez, oui. Bon. Merveilleux, maintenant. Je commence à m'habituer. C'est cool. Donc, c'est pas foutu. La personne qui a pas de bras peut quand même arriver à s'amuser en Minecraft. Faire des petites inventions, faire des petites créations, c'est cool. C'est pas cool qu'il manque des bras, mais... Non, je veux pas aller dedans, merde. Ah, ah, ça pique. Bon. Maintenant. Ok. Bon. Donc, l'intérieur est fait. Maintenant, on doit construire le premier étage de cette maison. Donc, on scroll. Ah. Bon, là, en fait, le petit problème est le suivant. Je vais devoir grimper, en fait, sur la maison. Et je vais vraiment pas devoir tomber si je veux réussir à réaliser les murs de cette maison. Donc, je vais devoir utiliser W avec mon deuxième pied, appuyer sur espace pour sauter. Ah. Merde, j'ai droppé! J'ai appuyé sur Q en même temps, fais chier. Ah. Merde. Ah, pourquoi devant moi? Ça, c'est chiant! Ok. On va en placer un ici, génial. Donc, en fait, je vais même en profiter pour sauter ici. Ah, ça, c'est chiant! Ah, ça c'est chiant. Bon. Oui. Cool. Bon, maintenant on continue ce foutu défi. Ah, allez.
Ah! Tu fais chier. Bon. On se débrouille, on se débrouille. Ça va plutôt bien. Évidemment, j'invite n'importe qui à réaliser le défi sur sa chaîne. C'est vraiment à date très drôle. C'est une certaine expérience. Je crois que la prochaine étape, le prochain défi que je vais faire, ça serait de me bander les yeux et de placer mon personnage de façon à... Fais chier, putain. De façon à savoir à peu près là où je m'en vais. Et essayer de construire une maison sans même regarder où je vais. Ok. Bon, maintenant je vais devoir aller chercher le bloc que j'ai droppé tout à l'heure. Ah, c'est pas évident. Merde, on dirait un Kikou qui joue. Ok, voilà. Maintenant, je dois monter ici. Ah, fait chier, putain de merde! Génial! Maintenant, on doit placer les blocs blancs. Donc... Ok, ça allait là, donc on est correct. Ah, ça non, par contre, fait chier. Allez, j'espère que tu vas tomber dans mon inventaire. Tombe pas en bas, tombe pas en bas. Oui! Génial. Oui! Cool, cool, cool! Maintenant, on doit placer un bloc rouge en premier lieu pour faire le plafond. Cool. Maintenant, on se déplace un peu vers la droite. Et on vient placer l'autre ici. Et après, je vais avoir besoin de toi. Donc, je dois traverser juste ici. Allez, prends le bloc. Cool. Ah, putain de nuit de merde! Ah, j'ai mal aux pieds! À force de décroiser, c'est pas facile pour avoir un peu de précision. Ok, donc voilà la nuit qui tombe. Je peux pas descendre en fait du toit parce que j'ai rien pour grimper après. Ah, fait chier! Ah, il fait noir! Il fait beaucoup... Merde! Fuck! Fuck! Fucking fuck! Ah, il m'aurait manqué des blocs de toute façon. Il fallait que je fasse un trou pour les vitres. Ok. On se retourne. Si vous demandez pourquoi je vais de ce côté, c'est pour me faire de la place pour ma souris par terre, parce que sinon, j'accroche mon clavier à force de tout le temps aller du même côté. Ah! Génial. Bon, maintenant il manquait... Non, 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 ouais. Tu ne détruiras point ce toit. Ah. Ah. Oui, oui. Ah. Maintenant, tu vas sauter gentiment sur ce bloc. Ah, ouais. Cool. Et là, tu vas aller choisir le dernier bloc. Voilà. Maintenant, on saute. Ah, pas ça je veux. Putain. Oh. Oh non. Je vais devoir viser ça ici. Allez, ça va pas être évident, mais c'est faisable. Ah! Allez! Arrête de... Oui! Oui! Ah! Ah! Bon! J'ai mal calculé dans mon coffre, il me manque un seul, mais imaginons que je l'ai placé. C'est simplement un oubli. Mais j'étais déjà là, donc vous le savez que je l'aurais placé. Merveilleux! Maintenant, on doit aller placer les vitres. Voilà! Ah! Ah! Ah non, et ça m'en redonne pas! Fais chier! Ok, donc il me manque une vitre. Maintenant, il y avait une torche
ici. Ah! Merveilleux. Et après, une torche là et une torche ici, suivi de la porte qu'on doit mettre de l'intérieur. Ah! Oh! Et on ferme la porte. Oui! Yeah! Oh my god! Oh! Donc, on a perdu une vitre en cours et j'avais oublié de calculer un bloc de plus pour la cheminée. Mais on a réussi! J'ai mal aux pieds! Oh my god! À force de se crisper les orteils pour essayer d'aller toucher sur les touches du clavier, ah, ça. C'était quand même un putain de défi pour une si petite bâtisse, en fait, c'est incroyable, mais j'ai quand même aimé mon expérience, c'était plutôt cool, ça fait un petit défi chouette, et je crois que je vais réaliser celui que j'avais dit tout à l'heure, d'essayer de construire un truc, mais avec les yeux bandés, et après, on se dépande les yeux, et on regarde ce qu'on a construit. Pour vous, ça va être drôle, parce que vous allez voir ce que je construis, tandis que moi, je vais être sûr de ce que je construis, donc c'est d'essayer de calculer, donc un bloc à fois, ok, donc à gauche, ensuite je grimpe, on essaie d'y aller au son, et on essaie de fabriquer un truc comme ça. On était aveugle. Ça, d'après moi, ça peut faire un truc cocasse. Un peu comme quand vous dessinez avec les yeux bandés. Je crois qu'on l'a tous fait pour voir ce que ça donne. On essaie de dessiner un truc précis selon la demande qui a été faite. Donc, dessiner une maison, dessiner une voiture, peu importe. Et là, on le fait avec les yeux bandés, on rouvre et on remarque qu'en fait, on s'est complètement gouré. On a mis une roue à l'autre bout de la feuille. Le toit, il est pas du tout aligné avec le reste. Ça fait vraiment de la merde. Donc, je crois que dans Minecraft, ça pourrait être plutôt drôle. Alors, merci beaucoup pour cette idée de défi. Ça a été très, très cool à réaliser. Et on va faire prochainement un autre défi, celui que je vous ai dit. Mais évidemment, si vous avez des idées, gênez-vous pas à me les mettre dans les commentaires. S'il y en a une qui me plaît, ben elle pourrait peut-être se retrouver sur ma chaîne. C'est pas nécessairement obligé d'être du Minecraft, ça peut être du real life, ça peut être aussi sur un autre jeu. Allez-y avec votre imagination, j'aime toujours pouvoir mettre un petit peu plus de un petit quelque chose supplémentaire sur ma chaîne qui peut être rafraîchissant. Donc sur ce, et ben j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, balancez un like les amis, abonnez-vous pour ne pas louper mes autres vidéos. Évidemment, suivez-moi sur Facebook et Twitter pour ne pas rater aucune information. Et je poste toutes sortes de trucs, donc allez-y, c'est super cool. Visitez aussi mon site web au www.steelers.com. Allez jouer à mon jeu Mr. Drunk Square. Vous pouvez aussi me supporter sur Tipeee. Donc, tous les liens sont dans la description. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye bye! Faut bien que le pied le dise aussi. Bye bye! Salut tout le monde!